Salutations, mes chatons. On se retrouve pour enfin, je dis bien enfin, Twister, la porte. La blissime du mois de novembre. Elle est arrivée le 19 novembre, pour être précise. Je sais que je suis pas la seule à l'avoir eu tardivement. Ma soeur l'a reçue tardivement, mais pas autant. J'ai vu que Clochette Beauty Box l'a postée il y a pas assez longtemps que ça. J'ai envie de dire, il se passe quoi, Blissine, là? Mais bon, ce n'est pas tout. Je vous laisse voir dans quel état mon colis est arrivé. Donc, vous vous doutez bien que j'ai mis un mail. J'ai fait un mail, pardon. Mais j'ai fait un mail bien salace. Parce que l'histoire ne s'arrête même pas là. C'est ça le problème. Donc, je suis énervée. Ça se voit pas là, mais je suis énervée. Parce que là, je suis fatiguée. Mais à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas de réponse à mon mail. L'histoire s'arrête pas là, mais je ferai en fonction du produit en question, parce qu'il y a un produit qui est décédé. Paix à son âme. En plus, c'est un sérum, je t'ai écouté. Moi qui aime les sérums, je t'ai écouté. Donc, voici la box de novembre. Comment vous dire? Mais je suis objectif, même si je suis en colère, je suis objectif. Objectif. Oh. Donc, je n'aime pas la couleur de la box spécialement. Hein, spécialement, non, j'aime pas. De toute façon, fallait qu'elle soit à la poubelle, mais même si elle aurait été bien, j'aurais foutu à la poubelle. Voilà. C'est de la mettre. Calme-toi. Voilà. Donc, on a le catalogue de Noël comme à chaque fois. Donc, ça parle de. Ah, vous découvrez, ok, oui, comme d'hab. Le calendrier qui est déjà sur la chaîne. La splendiste d'hiver aussi. Plaisir à deux, non merci. Monsieur, une édition limitée pour les mecs. Voilà. Et pour les fêtes, dites coucou, Suzette. C'est pour cool. Je ne sais pas. Bref, les coffrets must have, ok. Et les coffrets abonnement, ok. Coffret make-up, coffret soin. Ok, la carte cadeau comme d'hab. Voilà, bref. Ensuite, le thème, c'est rituel d'hiver. Le choix à faire, c'était soit 100% rituel. Il y avait soit la rouge, donc Ayurveda, ou la blanche, Sakura. J'ai pris, ou à 100% surprise. J'ai pris 100% surprise. Dans le sens où Sakura, c'est pas ma gamme préférée. Ma gamme préférée est bien la rouge. Mais dans la sélection, j'ai déjà presque, je dis bien presque, tout utilisé. Donc voilà, moi j'aime bien les découvertes aussi. Donc, voilà. Mais j'ai un produit rituel dans ma sélection. Merde. Et moi dans le truc surprise quoi. Voilà. On va commencer par le produit qui est décédé. Hein. C'est de la marque Raw Perfection et c'est du coup un sérum à l'ail hydratant du coup. Vous voyez le coup de cutter là? C'était, je dis bien c'était un
12 mails. Comment vous dire que je vais pas l'utiliser parce que on ne sait jamais. De toute façon, je crois qu'il y a rien, ou alors le produit il s'arrête là, tu vois. Enfin bref, je préfère même pas prendre le risque parce qu'en plus, vu qu'il y a de l'air, je pense qu'à l'intérieur ça a dû sécher. Voilà. Donc ça va être, je suis désolée, mais poubelle. Ça fait chier hein, parce que c'est un sérum. Alors ensuite, là, nous avons de la marque Merci Andy. Nous avons une huile à lèvres de la teinte 3. Et je sais pas s'il y a une teinte spécifique. Oh là, spécifique. Je pense pas. Donc le voici. Celui-ci va être. Je sais même pas si ça tient ça. Non. Attends, je vais essayer de faire comme ça. Putain, ça c'est trop lourd. Au miracle. D'ici peu, ça peut tomber. Ensuite, nous avons de la marque Groom. Un spray calmant. J'ai envie de te dire que ça. J'ai même pas envie de le garder. Apaisé et hydraté. Mais c'est pourquoi en fait. Je vais lire. Hein. Revigorez, détendez-vous et hydratez-vous avec notre brume apaisante pratique de poche infusée d'ingrédients naturels doux et apaisants pour vous redonner un coup de pouce où que vous soyez. Pour de meilleurs résultats, tenez à une distance de 12 à 25 cm du visage, fermez les yeux. Hein. Vous pouvez également reposer. Prendre profonde inspiration. Non, bah non, bah non, bah non. Ok. C'est pas un produit pour moi, ça, spécialement. Donc le voici. Donc lui, bah, il sera en concours. Alors. Le produit rituel, donc j'ai reçu dans la gamme. Ayurveda, c'est la crème corps que j'ai reçue en 70 ml. J'ai oublié de dire lui. Oh merde. Le putain. L'huile à lèvres 5 ml. Mais bon, c'est peut-être un full size. Hein, voilà. Ça, c'était combien? 50 ml. Je pense que c'est full size de toute façon. Ça, je sais que c'est pas le full size, il me semble, parce que c'est le gros pot en full size. Donc la crème corps Ayurveda 70 ml que je vais donner à ma mère. Parce qu'elle adore cette gamme-là aussi. Et donc, du coup, bah, le seul produit que je vais garder, c'est un parfum. Alors, c'est la marque L'Amour Éternel. Ah non, c'est pas ça. La marque, c'est Maison Meissa Paris. C'est le parfum, il s'appelle L'amour éternel, élixir Sophia Bardelli. Donc ça doit être le parfum de Sophia Bardelli que je connais vachement. Voilà. Voilà, c'est le seul truc que je vais garder, quoi. Donc il est comme ça. Donc en roll-on, c'est. Ah non, même pas, il est un pchit-pchit. C'est cool. Il me fait penser à Juliette Hasegun. Le Note a Perfume. Il me fait penser à lui. Donc voilà. Comment vous dire que bon. Je suis pas très emballée, on va dire. Bon, le sérum, c'est dommage parce que j'aurais dit oui. Après, il faut que je sois raisonnable, Beverly, parce que au mois de novembre, le spray calmant, pourquoi on serait pas calme au mois de novembre? Bon, bref, je pense que le calmant, ça peut faire toute l'année, mais bon, voilà, c'est pas mon type de produit. Bon, la crème corps, oui, on est d'accord. L'huile à lèvres. Ça dépend pour qui. Et le parfum, bah oui. Voilà.
Mais bon, je pas. Voilà. On va dire que j'ai connu meilleur, spécialement en termes de marque. Alors, il y a. Bon, Grum, je l'avais. Ah, bah non, je l'avais déjà eu dans la Bliss. Dans la Blissim, je crois. Ou la Glossy Box, de toute façon, l'un ou l'autre. Bon, on la reçoit pas souvent, donc ça va. Bon, Étoile, on connaît. Par contre, Reperfection, j'ai déjà dû recevoir un petit truc, c'est un petit produit, donc ça va. On fait chier que les coussins soient morts. Et par contre, Maison Maïssa, que je connais pas du coup. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. On dirait que je suis défoncée, mais je suis juste fatiguée. Hein. Voilà. Ensuite, et ben moi je dois vous laisser. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo tranquillou de Bilou, qui arrive tard. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo pour ceux qui vont la regarder. Merde, putain, je bug. Si vous avez aimé cette vidéo, oui, on en était là. Un petit j'aime, un petit commentaire, un petit abonnement, si le cœur vous en dit. Moi, je vous embrasse et je vous aime. Et on se retrouve plus tard. Voilà. Des bisous. Oh putain, je vais tomber.